drop in the ocean. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Voz pour un nouvel épisode sur notre incroyable aventure Stranded Deep, l'épisode 39 les gars. Donc les gars, je suis énervé. Attention, pas contre vous. Je suis énervé contre quelque chose. Vous vous rappelez, fin d'épisode 38, j'avais perdu un couteau. Un couteau comme celui-ci, vous voyez. J'ai dû aller sur une autre île pour aller chercher une pierre, les gars. J'ai cherché. Le couteau était juste sous les bouts de bois. Planqué, là, comme ça, là. Comme ça, comme un vilain. Et j'ai dû me retaper jusqu'à une île pour aller chercher une pierre. Non, mais je suis à deux doigts de bouillir. Franchement, Wilson est... Wilson est d'accord avec moi. Hein. Je vous le dis. Après, il m'a dit, écoute, Voz, vu que t'as un deuxième couteau... Tu peux, tu vois, me le passer. Mais bien sûr, tiens mon pépère, attends, je te le mets. Attention. Attends, je vais bien te le mettre. Comme ça, tu pourras te défendre en cas de danger. Ah, raté, hein. Attends. Encore raté, hein. Je vais y arriver, Wilson, hein. Deux secondes. Hein. Ne bouge pas, par contre, Wilson, si tu veux que je te le mette. Wilson. Eh ben, c'est bon, je sais que la bouffe... Mais tu sais quoi, Wilson, je vais te le mettre comme ça. Oh merde. Bah alors. Bah. Voilà. Non. Bon, Wilson, il sera à tes pieds. Hein. Tu le gardes. Il est à toi pour le moment. Par contre, quand j'en aurai besoin, hein. Attendez, non, c'est pas ce que je pense. Les gars. Ah non, j'ai eu peur. Oh, j'ai cru que j'avais mis le couteau dans le feu. Non, mais là, j'avais pété un câble. Hein. Wilson, attention, j'allais vite te le reprendre. Hein. Ah non, mais là, non, 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 les gars. Non, non. Vite de la bouffe. Parce que, comment vous dire que depuis l'épisode 38, là, après le mégalodon, j'ai pas bouffé. Oh, ça fait du bien. Ah oui, ça fait du bien. Allez, bouffe. Oh là 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 là. Allez, un dernier. Il m'en restera deux, ça va, ça va. Bon les gars, comme je vous ai dit, rappelez-vous, on avait réussi déjà ben, le mégalodon, voilà le trophée, regardez, j'ai fabriqué une étagère. Et en fait, les étagères nous permettent de mettre les caisses. Donc j'ai mis la caisse ici, hein, avec le matériel d'avion. Et les gars, épisode 39, deuxième boss. Deuxième boss parce que là on est chaud, ça y est. D'ailleurs, en parlant de ça... Hop, on va se refaire un peu de lance quand même. Hein, parce que j'ai peur que... J'ai très peur. On va s'en refaire, allez, 8. On va s'en refaire 8. Parce qu'on en a encore assez dans le bateau. Allez. Voilà, et la dernière. Ah non, j'en ai fait une de trop. Mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va déposer ça... On va déposer... Ben, rien d'autre. Prends la lance. Non, pas le bâton. Je t'ai dit la lance. Imbécile. Voilà. Bon, les gars. Wilson, souhaite-moi encore une fois bonne chance. Non, je te l'ai déjà dit. Tu pouvais pas venir avec moi voir le mégalodon. Tu vas pas pouvoir venir avec moi voir la deuxième créature que je ne sais même pas à quoi elle ressemble, d'ailleurs. Ok? Ok, Wilson. Mais tu sais quoi, Wilson? J'ai une surprise pour toi. Le troisième et dernier boss du jeu, je t'emmène avec moi. C'est bon, t'es content? Eh, tiens, on y va. Allez, les gars, on y va. La bouffe, c'est bon. On va remplir... on va boire encore une gorgée. Voilà. Ok. Maintenant, on boit. On remet tout de suite vite faf de vite fouf. Ah oui, merde. Ah, ça, c'est problématique. Non, ça va être chiant. Ça va être très chiant, ça. Ça va être très chiant. Dépose-moi juste... Non, dépose pas le couteau. C'est bon, le couteau, je lâche plus. C'est bon, là, il m'a gavé, le bordel. Remets-moi ça là-bas dedans, là. Un petit dernier, s'il te plaît.
Comme ça, dès qu'on va revenir, ça sera plein en eau potable. Donc c'est parfait. Reprends-moi ça, on est bon. Bon les gars, sac de couchage, gourde de plaine, deux morceaux de viande, c'est très bien. Et bah go. Go. Go, 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 go. Go, go. Bon les gars, je vous refais une petite coupure le temps... petite sauvegarde, hein, toujours. Toujours petite sauvegarde. Et on va se faire ce deuxième boss des malheurs, quelle heure est-il? Oh, c'est tard, tard le matin, mais c'est pas grave. Bon allez les gars, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve devant. Mais pourquoi elles reviennent les fibres là? À chaque fois elles se barrent. Oh là là, c'est pas vrai hein. Bon bref, je disais, on se retrouve au deuxième boss les gars. Allez, à tout de suite. Ok, re les amis, re. Ok, on y arrive. Regardez, en face de nous là. On y arrive, on y arrive. Le problème c'est que... C'est que... Ouais, la traversée, elle est longue quand même. Elle est longue et le problème c'est que je crois que c'est déjà 15h dans le jeu. Et bah, bientôt la nuit. Alors comment vous dire que tuer un boss pendant la nuit, ça risque de ne pas être fut-fut, hein, si vous voyez ce que je veux dire, si je vais être poli. Donc non, non, mais on va voir. Vous savez quoi? On s'en bat les couilles. Vous savez quoi? On s'en bat la rate. On va le tenter de nuit, s'il commence à faire nuit. Ok les amis? Moi je suis chaud là. Moi là, je suis chaud de night là, de ouf. Donc on va voir tout ça. Par contre là on se rapproche dangereusement là. Ouais c'était bien ça. Hein. Je sais même plus comment il s'appelle le bordel. C'était le grand quelque chose là. Le grand quoi? Le grand Abaya? D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ouais, les gars? Et ouais, 15h30. Oh, serre polypépette. Bon, les gars. Je m'en fous. Il est où par contre le bordel? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est. C'est un sous-marin! Excellent! Par contre, il est censé avoir une bête là-bas dedans, non? Non? Mais y a que dalle. Y a que dalle, les amis. Ouais, c'est un sous-marin. Par contre, ouais. Oh quoi? Y a une musique là qui met sur qui. Oh! J'ai peur! Je sais même pas contre quoi je. Je sais même pas contre quoi je me bats! Monsieur? Ou madame, hein, je sais pas. Ouais, j'ai un délire. Ça. MDR, il saute. Il m'a fait tellement peur. Ok, il ne fait pas saigner. Les gars, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une murène. Tiens, ta bouche. Il m'a fait... Oh les gars! Tellement que ça m'a fait peur, j'ai quitté le jeu! Je suis pas prêt! Je suis tellement pas prêt! Oh bordel! Je suis tellement pas prêt, j'en ai marre, je suis tellement pas prêt! Oh ma vie, Sugoi! On en parle de ma vie? Ah non mais là fin du jeu en fait. Là les gars, ok. Lui il a craqué là. Wouah, fini de jouer là. Il m'a mis tellement cher. Oh les gars, je suis désolé mais on va attendre la nuit. Oh il m'a tellement fait peur que j'ai quitté le jeu. Il saute! Les gars!
Il saute! C'est une anguille! Une anguille qui saute! Mais ma vie en fait, c'est ça le problème! Les gars, vous m'expliquez comment on va faire là en fait le bordel? Parce qu'en fait, faut pas qu'on se fasse shooter. Shoot. Oui, il faut pas qu'on se fasse shooter, oui, c'est qu'à le dire. Non, mais il faut pas qu'on se fasse toucher une seule fois là en fait. Mets le sac de couchage là. Je peux pas dormir. Je peux pas encore dormir, il fait pas assez nuit. Oh, Sugoi! Eh mais je suis pas prêt hein. Ah là c'est pas le requin blanc là. Enfin c'est pas le mégalodon là. Oh, oui on peut dormir. Oh, par contre j'espère pas qu'il récupère sa vie quand je dors. Ouais mais de toute façon on lui a rien fait. Oh, donc ouais c'est bon il perd pas sa vie. Ok donc le seul moyen là vous êtes en train de me dire. Ah ouais chaud là par contre la vie chaud. Ah chaud non non. J'ai eu peur. Est-ce qu'on peut sauvegarder? On peut pas sauvegarder. Bon les gars. Faut pas qu'on se fasse toucher une seule fois. Vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Banzai! Eh merde! Elle est là. Tiens! Oh, elle m'a pas touché, yes! Les gars, ça va être trop dur. Les gars. Tu m'as pas eu, yes! Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. T'es qu'elle saute? Bon, ben bah, les gars, comment vous dire? Bon, on est mort. Ok, c'est pas grave. Les gars, je suis tellement mort, c'est qu'à de le dire. Ok, bon c'est pas grave. Ouais, mais on peut pas sauvegarder aussi sur le bateau. Depuis quand on peut pas sauvegarder sur le bateau? Bah vous savez quoi? Ah ouais, mais ça va être chiant, je dois tout refaire. Oh non, je dois y retourner. Oh non, je dois y retourner. Bon les gars, je retourne. Attendez. 5 rations, j'ai toujours ma bouffe. Bon les gars, je retourne, je fais une ellipse et on se retrouve là-bas. Elle est là tout de suite. Bon les amis, donc j'ai fait une sauvegarde hein, sur cette île parce que la traversée c'est vraiment trop long les gars. Ah ouais, je vous le dis, c'est vraiment... C'est trop chiant, trop long. Donc j'ai fait... si on remeurt, j'espère pas. J'ai fait une sauvegarde à côté. Vas-y, rapproche-toi de cette connerie là. Grand abaya de mes coronets, si je peux dire. Rapproche leur radeau, s'il te plaît. Rapproche leur radeau de ce sous-marin ultra flippant. Voilà. Bon. Quelle heure est-il? Oh putain, c'est 16h, les gars. Je m'en bats les cacahuètes. T'es où? T'es où? Ça te fait du bien? Parce que moi ça me fait du bien de te faire mal. Faut pas qu'on se fasse toucher. Tête de meuble. Raté.
Il est affreux. T'es sérieux, Vos? Ok. Est-ce que ça peut être une bonne stratégie d'être là? Je sais pas. Les gars. Non, mon... Ok. Ok, on replonge. Oh! T'as bobo, hein? Les gars, j'ai trouvé une technique! Trop bien! Par contre, ouais. Chaque fois, il faut reprendre l'air. T'es où? T'es où? Okay. Reprends un peu plus d'air. Replonge. Oh les gars! Mais je suis trop intelligent. Mais regardez-moi ce monstre! T'es où? On voit que dalle. Plus commence à faire nuit. Allô? Ok, je remonte. Je redescends. Va falloir qu'on aille dormir. Oh les gars, mais la technique que j'ai trouvée. J'adore. Je suis trop content. Il est où? Il est où? Montre-toi, sale bête. Ouais, fallait faire dodo là. Vite, monte. Il peut pas nous toucher au radeau. Si. Qu'il faut faire attention. Il nous saute dessus. Ok, dors. Oh putain les gars. Oh. Il est terrible. Tiens, tu crois que je t'avais pas vu? Il me reste 6 flèches. D'arpon. Oh, faut faire gaffe, il saute. Oh mieux, le screamer. Il monte là. Quelle heure est-il? 5 heures, c'est une blague. Il est en dessous, je l'ai vu. Je l'ai vu. Alors attendez, parce que on peut pas tirer avec l'arc sous l'eau. Donc c'est chiant. C'est ça? Oui, il est là. Ouais, mais je vois rien là. Oui, le jour, s'il te plaît, là. Bordel! Il saute pas là. Il arrive pas ou quoi? Tant mieux. Je sais même pas si on peut tirer avec les lances sous l'eau non plus. Si on peut pas tirer avec les lances sous l'eau, ma technique elle sert à rien. Si on peut. Yes! Ouais, l'arc on peut pas. T'es où? Tiens, sale bête! T'es où?
Tiens, sale bête. Non, non, monte pas. Tiens, sale bête. Je t'ai eu, hein. J'hésite à tirer. Heureusement que j'ai pas tiré, les gars. Purée, mais une anguille, quoi. Une anguille géante. Mais les gars, ils ont pété un plomb dans le développement du jeu. Vas-y, viens. Tiens. Non, monte pas à l'échelle. Arrête de vouloir monter à l'échelle. Plonge. Tiens. Ça te fait du bien. Cette bête. Cette bête. Par contre, ouais, c'est beaucoup plus dur que le mégalodon. Regardez sa vie. Enfin, elle a une bonne vie, hein, la murène, là. Dernière flèche de harpon. Je la mets pas maintenant. Monte. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête de vouloir monter là-dessus. Et voilà. Voilà. Putain, mais c'est pas vrai. Mais quel abruti. Oh. Elle est magnifique. Par contre, elle est magnifique. Allez, les lance maintenant. Tiens, dans l'œil. Sale bête. Tiens, sale bête. Ok, on gère, les gars. Tiens, sale bête. Ça fait mal, hein. Qu'on monte. Saloperie. Elle m'a fait tellement peur. Sale bête, va. Putain, elle m'a fait tellement peur. Oh, toutes tes lances. Quoi? Vite. Attention. Non, pas les lances en pierre. Je les garde. Magnifique. Magnifique, par contre, très belle bête. Tiens. Eh merde, j'ai fait le malin. Voilà, ne jamais faire le malin, les gars, hein. C'est pas bien. Faut pas faire le malin. Elle va arriver à droite. J'en étais sûr. Je l'ai raté, Sugoi. Tiens, pas là. Ok, les gars. Non, non. Attends, mais oh, il te faut combien de bâtons dans le derche? Oui. Yes. Yes. Les gars, purée de dieu. Ah, oh, purée, trophée de murène, une pièce de moteur d'avion. Oh là là, bordel de merde. Sortez-moi de cette enfer. Bon ben voilà. Waouh, c'était compliqué. C'était tellement compliqué. Mais le truc qui va être compliqué, c'est que j'ai plus de flèches de harpon. Et c'est chiant. Bon, les gars, voilà. Attendez, j'ai envie de voir moi ce qui est le sous-marin là, parce que c'est beau gosse quand même. Elle est sortie de là. Oh, vous pensez qu'il y a des trucs là-bas dedans? Oh non, on peut pas rentrer. Ouais, par contre, elle a graille, hein. Elle a graille des gens. Hein. D'accord, waouh. Non, par contre, c'est super beau le sous-marin et tout là. Oh. Ouais, par contre, les gars, j'étais pas prêt, hein. J'étais clairement pas prêt pour ce boss, hein. Terrible, hein. Oh, bon dieu. Oh là 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 là. Bon, allez, on se casse. On se casse. Oh, oh là 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 là. Bon, les amis. Je vous refais une petite ellipse jusqu'à la maison. Et on débriefe de ce boss à la maison. Allez, à tout de suite. Bon, re, les amis, re. Ça y est, je suis rentré. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je bois un coup, on en profite.
Ok, donc, oh purée. Mais qu'est-ce qu'on a galéré? Mais qu'est-ce qu'on a galéré avec ce bordel? Donc allez, alors, c'est où? Étoile, trophée de Muren. Vas-y, 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 vas-y. Bon, les gars, vous êtes prêts? On l'accroche. Oh! Stylé! Je préfère la murène que le requin. Hein? Non, en vrai, les gars, mais regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Stylé, stylé, et aussi, et aussi, et aussi, et aussi. Pièce de moteur. Oh. Oh. Donc là, vous allez me dire qu'on a le moteur de l'avion. Ok. Eh ben, hop. Il est où? Là. Pièce de moteur d'avion. Nickel. Ok. Donc, il nous reste une pièce et un trophée, les gars. Le dernier boss. Non, mais attendez, les gars. Mais c'est un truc de ouf parce que. Oh, vu comment on a galéré avec cette murène géante là, le grand Abaya, je sais pas quoi là. Mais qu'est-ce que ça va être le troisième boss? Surtout qu'on sait ce que c'est le troisième boss. Oh que oui. Oh que oui, oh que oui, les gars. Parce que je crois que dans un épisode dans l'aventure, il me semblait que je vous l'avais dit. Hein, ce que c'était le troisième boss, il me semblait bien, je crois, les gars. Et ben si je vous l'ai pas dit, moi je vais vous le dire. Voilà, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Mais les gars. Le troisième boss, c'est un calamar géant. Oui, un kraken. Oui, on peut dire le kraken, hein, si vous voulez. Donc les gars, comment vous dire? Un calamar géant. Je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'on va galérer. Je pense qu'on va galérer à le tuer, ce bordel. Hein. Je vous le dis. Parce que là, waouh, c'est incroyable, quoi. Calamar géant. Terrible. Déjà que, ouais, la murène. Oh, oh là là, heureusement que j'ai trouvé une technique pour la poutrer avec les lances et tout. Parce que, purée de Dieu. Oh, oh là là, heureusement, les gars. Heureusement. Truc de ouf. Bon. Voilà quoi. On va faire cuire. On va se faire un petit barbecue avant de couper l'épisode. Voilà, on va finir en beauté. Tout simplement. Allez, là. Allez, allez. Hein. Oh. Voilà. Alors. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce boss aussi. Moi j'ai kiffé. Un peu compliqué au début quand si t'as pas la technique. Mais ouais, mais oh, il m'a fait peur à des moments. Oh, il m'a fait peur à des moments. Oh là là, même qu'à un moment j'ai quitté le jeu tellement sans faire exprès. Non mais il m'a fait peur. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi hein? Hein? Wilson. Et Wilson. Il m'a fait peur le bordel, je te dis pas. Oh, c'était un truc de ouf, hein, mon Wilson. Hein. Oh là, mais franchement, heureusement que t'es pas venu. C'était beaucoup trop dangereux pour toi, là. Non, 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 non. C'était beaucoup trop dangereux pour toi, mais. Mais comme je t'ai promis, je t'emmènerai voir le Kraken. Le dernier boss, Wilson, il sera avec nous, les gars, je vous le dis. On n'a pas le choix. Enfin, si, on a très bien le choix. Mais il a pas envie de rater ça, donc. Donc il ratera pas ça. C'est promis mon Wilson. Prochain épisode, tu viens avec nous poutrer le Kraken. Je sais même pas où il est. Je sais même pas où il est le bordel. On n'a même pas croisé son endroit, je crois encore. Hein. Non, 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 non. Je sais même pas dans quelle direction il est ce bordel. Hein. Purée, je sens que je vais galérer à trouver encore. Oh là là. Mais là, c'était terrible. Hein. C'était terrible, c'était terrible. Mais bon. Deuxième boss fait, hein. Voilà. Hein. Là, les gars, on est en train de d'avancer dans le jeu. À une vitesse, après vous en doutez, hein, je pense. Hein. Je pense que vous en doutez très fortement que là, enfin, on a vu le principal du jeu qu'il y avait à voir. Voilà, je pense que dans l'épisode 40 d'ailleurs, le Kraken, ça va être l'épisode 40, c'est beau. C'est beau, c'est beau, un chiffre rond, c'est magnifique. Mais ouais, les gars, dès qu'on a fini de tuer tous les boss, malheureusement, je pense qu'on va réunir toutes les pièces d'avion et tout, et voilà quoi. Je pense que ça sera qu'on va vite arriver à la fin de l'épisode. Non, pas de l'épisode, mais de la série. Voilà, c'est malheureux, mais bon. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça. Faut bien le terminer ce jeu. Je vous le dis. Aïe aïe aïe.
Bah allez, on va remettre un peu de bordel là. Hop, on remet ça et on va couper l'épisode. Voilà. Bon les gars, comme d'habitude dans cet épisode de la frayeur et tout là, ben n'hésitez pas comme d'habitude de vous abonner si c'est pas déjà fait, like et partager la vidéo. Et on se retrouve pour l'épisode 40. L'épisode du Kraken, le calamar géant, bordel de Dieu. Et voilà quoi. Bon allez les amis. Ciao ciao les amis.